Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour un haul Action. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai pu trouver chez Action et aussi j'ai fait donc une très très belle découverte. Je vais vous montrer par rapport à quel produit. Alors là, je vais commencer par tout ce qui est nourriture. Donc là, j'ai trouvé cette boîte là de préparation en fait pour muffins. Du coup, en fait, ici, ils vous disent directement en anglais qu'est-ce qu'il faut ajouter. Donc là, pour celui-ci, il faut rajouter donc seulement 150 grammes de beurre, 3 œufs et 50 millilitres d'eau. Je n'ai jamais testé, c'est l'occasion. Et donc, du coup, je vous ferai également une vidéo et je vous donnerai aussi mes retours, positifs ou négatifs, par rapport à ce genre de produits que propose Action. Moi, je pense que j'ai rajouté des petites pépites de chocolat en plus. Mais voilà, en tout cas, c'est bien écrit aussi en français, c'est écrit en anglais, c'est écrit en allemand aussi. Donc voilà, et vous avez vraiment tout hein, le mode d'emploi en fait pour le mode de préparation. Je l'ai pris donc aussi en choco brownie. Donc à voir. Et là, pareil, en fait, pour cette préparation-là, il faut juste rajouter 60 g de beurre et 125 ml d'eau. Mélangez le tout. Et par contre, dans celui-là, on a le petit moule à brownie. Donc ils nous le mettent en fait que c'est aussi c'est intégré dedans. Je vous mettrai également donc oui les prix donc de ce que j'aurais acheté et je reviens en fait à cette boîte là. Ils vous mettent également des petites caissettes. Il y aura 15 caissettes en fait pour muffins. Donc voilà, à voir, à tester et bien évidemment je vous ferai un retour en faisant une petite vidéo de ces préparations là. Pour les enfants, pour leur goûter, je leur ai pris donc des bâtonnets Kinder. J'ai pris un gros format. Ensuite, j'ai pris là un sachet donc de petits chocolats comme ceci, Milky Way. Voilà, nos enfants aiment bien. Donc, il y en a 14 dedans, donc c'est pas mal. Et vu le prix que vous pourrez voir aussi en barre d'infos, c'est quand même raisonnable. Ensuite, voilà ma découverte. Je passe tout le temps chez Action lorsque je vais faire mes courses chez Carrefour. Je ne voyais pas cette boisson. Alors, je ne sais pas si c'est tout nouveau dans l'Action, dans le magasin Action où j'y vais. Mais en tout cas, c'est une très belle découverte pour moi parce que en fait, cette marque-là et ce genre en fait, donc, de jus de mangue, je ne trouvais cette boisson que dans les épiceries asiatiques. Et je n'ai vraiment pas du tout à côté de chez moi. Il faut vraiment que j'aille sur Paris. Donc là, je pense que je vais très très souvent faire un tour chez Action pour les dévaliser tout simplement. Là, j'ai pris trois canettes, mais il y aurait eu sous forme de carton, j'aurais pris les cartons. Donc voilà, j'ai pris là des canettes. Donc voilà, c'est vraiment, je suis très contente parce que du coup, voilà, c'est une boisson que j'adore boire, j'aime beaucoup. Et voilà, je suis très contente en fait que du coup, ils le font ici. Et même en fait, dans les rayons en fait épicerie du monde etc chez Carrefour, Leclerc ou Auchan même, je ne trouve pas cette marque. Alors ouais, je ne trouve pas. Donc en fait là je suis fan, je suis. Donc voilà pour tout ce qui est nourriture. Alors donc je passe aux produits d'entretien. Donc là j'ai pris deux rouleaux de sac poubelle 60 litres. Donc voilà avec lien. J'ai pris ici comme toujours mon paquet de lingettes donc pour nettoyer les toilettes. Et là, mon paquet de lingettes pour nettoyer toutes les surfaces. Je prends toujours celui-là. Il y en a d'autres aussi, mais je prends toujours celui-là. Il est parfum pomme et celui-là, il est parfum citron. Ça, quand même, ça dégage quand même une bonne odeur. Ensuite, pour terminer, tout ce qui est entretien, bon là, j'ai pris ceci en fait pour la voiture. J'ai vu qu'ils étaient pas chers, donc du coup, à moins d'un euro, pareil, je vous mettrai les prix. J'en avais un, mais à force de gratter, du coup, il s'est cassé, donc j'en ai repris un autre. Donc là, pour terminer ma petite vidéo, j'ai pris là, ici, donc des crayons de couleur de la marque Bic et des feutres également donc de la marque Bic. Tout simplement parce que du coup, je pense comme tous les enfants, on ne garde pas forcément les mêmes crayons de couleur et les mêmes feutres qu'on achète pour la rentrée tout au long de l'année. Soit on en perd, soit ils sont cassés, soit vraiment, voilà, il n'y en a plus. Donc du coup, voilà, j'avais besoin d'en acheter pour mon fils et là, vraiment... Très étonnée par le prix parce qu'ils étaient donc à moins de 2 euros chacun. Donc j'en ai profité et puis voilà, comme ça lui fait son petit réassort. Et c'est suffisant. Au lieu de prendre 24 ou quoi que ce soit, là il y en avait vraiment 12-12. C'est largement suffisant, ça viendra compléter ce qu'il a déjà. Donc voilà.
Et voici donc ma vidéo se termine ici. J'espère que ce mini haul vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. En attendant, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.